se veut hypocrite, lâche et cynique. Bien. Oui, 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 les violences contre les homosexuels augmentent, mais elles n'augmentent pas au fin fond de la Lozère. Non. Je vous conseille la lecture d'un article paru dans l'Express le 10 avril dernier. Vous y découvrirez l'enfer que les homosexuels vivent dans les banlieues. Vous y lirez aussi tout l'amour qu'une mère de famille porte à des homosexuels qui lui auraient grillé la priorité à la caisse d'un supermarché. Et là, je la cite, « PD Tarlouze, en Algérie, les mecs comme vous, on les égorge. Pourtant, votre honte, ce que vous dites est une honte. Je cite un article. Pourtant, votre vœu occulte totalement cet islamisme qui terrorise tout ce qui n'est pas haram, illicite selon lui. La seule coupable, à vos yeux, c'est une horrible extrême droite fantasmée. Non, ce ne sont pas les images du président brésilien Bolsonaro qui galvanisent les homophobes, mais bel et bien des discours haineux de certains imams. Allez donc prêcher avec Madame Delga votre humanisme à la grande mosquée de Toulouse, ça éclairera peut-être l'esprit de l'imam Tataï, lui qui a comme lecture de chevet les écrits de Youssef al-Qaradawi, ce penseur qui se demande comment mettre à mort un homosexuel, et là aussi, je le cite, lui, est-ce que l'on tue l'actif ou le passif? Par quel moyen les tuer? Est-ce avec le sabre, le feu ou en les jetant du haut d'un mur? Je vous mets également au défi de lancer votre label Gay Friendly dans les cités. Je vous mets au défi de trouver un kebab ou un salon à chicha Gay Friendly d'ici la fin de votre mandat. Les forces progressistes que vous prétendez être sont celles qui livrent des pans entiers de notre territoire à des individus rêvant de jeter un homosexuel du toit de l'immeuble de la cité. Ça n'est pas avec des commisérations ni avec des logismes en hob que l'on combat l'homophobie. C'est pour cela que tous ceux qui sont victimes, de plus en plus nombreux, font confiance au Rassemblement national, seul à vouloir véritablement éradiquer leur cauchemar, l'islam radical.